Production nationale là passe span faibli. Selon groupe Croissance SA qui rappelait, sorti 1995 pour arriver 2014, production cacao haïtien passé de 5000 à 3000 tonnes. Pour remembrer production, l'État haïtien ensemble avec partenaire Lio mettait sous pied particulièrement projet jardin créole produit sud. Dans cadre exécution projet ça, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural organisé 27 août 2024 là dans Pétionville, y a une rencontre avec plusieurs spécialistes qui travaillent dans le domaine. La vision est d'arriver à une chaîne de valeur compétitive qui génère des revenus accrus et qui agit comme levier de création d'emplois décents. De la restauration des bassins versants et où les jeunes et les femmes jouent un rôle actif. Ainsi, les actions définies contribueront à faire face à certains problèmes majeurs du pays. La pauvreté, la problématique d'inclusion des jeunes et des femmes et la dégradation de l'environnement. Le cadre stratégique propose également des arrangements institutionnels pour optimiser la relation et la concertation entre les acteurs dans les différents maillons de la chaîne de valeur et cela, dans le but de maximiser leur contribution à l'économie nationale et à l'amélioration des conditions de vie des producteurs et productrices. D'après l'organisateur, ils ont déjà rencontré producteurs cacao dans nos agrandances et une série de consultations qui doivent permettre le projet à réussir. Le gouvernement, dans sa feuille de route, attribué au secteur agricole, privilégie le développement des cultures d'exportation, dont le cacao, dans l'objectif non seulement de contribuer à la richesse nationale, mais aussi dans une perspective de réhabilitation de l'environnement en raison justement des services économiques offerts par le système cacaoyer. Que cet atelier nous permette d'apporter une ou des réponses concrètes à cette interrogation cruciale. Comment on va devoir parvenir à relancer la filière cacaoyère en Haïti dans une perspective de conciliation des intérêts immédiats des producteurs agricoles, des entrepreneurs agricoles, avec bien entendu l'augmentation de la richesse suivant bien entendu une dynamique de bonne gouvernance. Atelier restitution ça doit permettre responsable actualiser cadre stratégie gouvernance chaîne vallée cacao en Haïti une démarche qui doit rendre produit ça plus compétitif sur marché international là ça va renforcer économie pays d'après autorité yo.